J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. En tout cas, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, sachez que le meilleur reste à venir. Début de la série, début de ce deuxième tour contre les Portland Trailblazers. On avait le choix, c'était soit on l'avait Damien Lillard, soit on l'avait Ja Morant. Moi j'avais dit, bon, Ja Morant quand même, ça peut être un peu mieux. Finalement, on doit taper Damien Lillard. Écoutez, on va s'y mettre. Il n'y a pas de souci. S'il veut prendre sa raclée, il va la prendre. J'espère juste qu'il va nous proposer un jeu de meilleure qualité que D'Angelo Russell parce qu'il a vraiment été cataclysmique. Et vous avez vu sur YouTube, j'ai essayé de faire un petit peu les choses bien. J'ai essayé de vous écouter. Le match 3 et le match 4 de la précédente série, j'ai essayé un petit peu de les condenser pour pouvoir vous les sortir dans une seule et même vidéo. Ça a plutôt beaucoup plu même, j'ai envie de dire. Donc merci à vous les gars pour l'accueil. Et écoutez, on va essayer de continuer comme ça. On va faire une petite parenthèse, les gars, sur le reveal de la cover d'NBA 2K24. Kobe Bryant, pour ceux qui l'auraient zappé. Personnellement, je m'en fous un petit peu parce que la cover, on le sait très bien, c'est pas ce qui fait que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Par contre, j'aimerais juste vous rappeler, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, j'espère que ça va rendre hommage à Kobe, machin ». Je tiens à vous rappeler que le pire 2K de l'histoire, c'est NBA 2K21 et je vous laisse checker qui est-ce qu'il y avait sur la cover. L'information, je la pose sur la table, au milieu là, et vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un petit point sur le tableau des playoffs? Portland, évidemment, s'est qualifié puisqu'on va les affronter. Golden State affronte les Clippers et de l'autre côté Philadelphie affronte Milwaukee et Chicago affronte Atlanta et ça mène déjà 1-0. Évidemment, on commence la série à domicile. Honneur aux Lakers et surtout game time baby. C'est parti les gars, n'hésitez pas à faire vos pronostics là, dépêchez-vous, la série n'a pas encore commencé. À votre avis, comment ça va se passer? Qui est-ce qui va l'emporter? Moi je vois bien à 4-1 et on perd le premier match à l'extérieur. Je rigole les gars, on va les sweeper, ça va être vite vu. Est-ce que je fais du ça à la Dame direct? Pas du tout. Perte de balle. Le karma immédiat. Ça démarre plutôt bien pour Portland. C'est cool. Ça nous change des débuts de match des Timberwolves qui étaient absolument catastrophiques. On va voir si on a un grand AD. Si on a un grand LeBron. Ça va chercher le pick pour Winslow. Oh, regardez la défense. Oh, 6% seulement. Je suis seul. Ah ouais, ok. Ok, Nurkic. On va quand même pas se faire prendre le premier match, non, les gars? Ça serait pas trop sérieux, non? Le main à main avec Nurkic. Lillard qui va essayer de me taffer. God damn. Rebond. C'est pour LeBron. Je suis seul. Yes sir. Ça commence les gars, la connexion pour le clan James. Allez you baby. Après je te cache pas que tu vois un petit money time, tout ça, des petits shoots compliqués à prendre. Mon dieu. Ah mon gars il m'a taffé. Comme ça là. Sheesh. Defense. Attention, ça fade. Belle défense. Waouh. Les gars, je crois que Portland a décidé de nous offrir un match sur cette ouverture de second tour. Avec la faute, monsieur l'arbitre. Ils savent qu'on a les mains baladeuses. On n'hésite pas à claquer des petites inter. C'est dur. Allez, rebond. Ah ouais, forcément. Waouh. Block by AD. Help. Je me suis complètement laissé avoir là. 19-22. Allez, c'est bon, c'est serré. On y croit jusqu'au bout, les gars. Remontée de balle, Daisy. Enfin, un petit peu bizarre, cette histoire. D'accord. Bon, tu le dis, si on te fait chier, hein, y a pas de soucis. Hein. Anthony Simons qui est rentré. Josh Hart, toujours sur le terrain. Damien Lillard, je pense qu'il va beaucoup jouer. Defense, en sortie de pique. Ok, il a failli me sanctionner, je suis passé en dessous. Ah oui, je me suis endormi. Ouais, ma faute. Russell Westbrook. Qui va encore y aller. Super, ça. Je vous ai dit, Russ West, mon gars, un passeur hors pair. Bon, le problème, c'est que derrière, on est catastrophique au shoot. Non, pourquoi je défends comme ça? Putain, j'étais seul. Bien joué, ça. Oh, bien joué, le 3 points d'AD. Oh, frère. Oh, je me fais avoir bêtement. Défense. Il se fait enfoncer. Ah! C'est pas dedans. Allez, relance vite. J'y vais. Let's go. Allez, on se remet dedans avec un petit dunk facile là. Sur attaque placée, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Le public qui est toujours là. Le public qui crie. Le public qui nous aide à défendre et perdre de balles. Ce match. LeBron James qui appelle le ballon. Ça va taffer. Espace libéré, il est trop fort pour voir les mecs tout seul. Et on revient à égalité, let's go. En fait, c'est quoi? Ça me change de jouer contre les Blazers parce que les Timberwolves étaient tellement... Merci! Ils étaient tellement nuls, mon gars, à l'extérieur, les Timberwolves.
Allez, je t'ai fumé. Et ça dégage. Tu me mets juste un petit ralenti là parce que Damien Lillard, mon gars, il finit sur le poster. Ouh, ça passe. La prise de risque payante. On a failli se la faire intercepter celle-là. Magnifique. Ralenti incroyable. 29-38. Mec, on est mené. Oh, j'en étais sûr de celle-là. Ah, mon gars. J'en étais sûr que t'allais la faire. Là, tu vois, on commence bien la deuxième mi-temps. Perte de balle, contre-attaque, self-alley-oop. Comme ça, on monte directement. Qu'on est là pour gagner ce match 1. Defense. Damien Lillard est trop vif. Changement de direction. Merci, pas de bev. Faut pas que je fasse ça. Ça, c'est pas bien. Je le sais, je le fais quand même. Je le répète, mais l'ambiance des playoffs, c'est quelque chose. Tu vois, là, je peux pas. Il est trop fort. Quoi? Comment ça, il perd pas la balle? Voilà, menteur. Allez, rapproche-toi. Voilà, le demi-tour au poste. Reste sur le terrain quand même, parce que sinon, ça devient bizarre. LeBron va me poser un pic. Je vais avoir le shoot. Ah non, on me demande de cut. Let's go. Je suis tout seul. 46-49. Mec, ce match, on a un vrai match, les gars. Ouais, bien sûr, les systèmes auto PS4, PS5, y a pas de souci. PC, ce que tu veux, ouais. Toutes les plateformes, même Switch. Hein. On le dit aussi pour les trois personnes qui jouent sur Switch en France, voire dans le monde. T'es dans la salle, tu vois. T'es un joueur de basket NBA. Et t'es dans la salle et ça gueule comme ça sur toi. Ça doit être une dinguerie. Contre-attaque, c'est cadeau. Je l'ai. Ouais, y a aucun panier facile. Beaucoup de piques pour Damien Lillard. Il démarre. Oh, ça referme, mais... Oh, on s'est fait avoir. Waouh. Je pensais que quelqu'un allait ressortir. Et finalement, ben, personne n'y allait. Ah, ça marche mieux avec le boss, hein. Mon gars, ce qui s'est pris. Justice Winslow sur le poster. Autant, j'aime pas le team takeover, mais quand on peut faire des petites dingueries comme ça, ça fait quand même plaisir. On va se faire fumer. Même avec le takeover, il va pas pouvoir tenir. Et si on faisait un truc simple? Si on faisait ça? Voilà, facile. Allez, va là-bas. Block by James. C'est ce qu'on appelle un passé, va dans le milieu. C'est ce qu'on vous apprend quand vous commencez le basket. C'est juste qu'à la fin, ça se finit pas par un alley-oop. Parce que normalement, vous avez 8 ans, donc vous avez pas la détente qu'il faut. En vrai, tu me diras, c'est des shoots à lui. Hein. Non. Non. Il est ici. Je te jure, je te bâche. Je te jure, je te bâche. Pas du tout. Là, c'est de la confiance totale. Je suis en ouf, je suis en ouf. Je me suis dit, c'est Anthony Simons, mais mec, il a un shoot aussi, il a progressé de ouf. Hein. Allez, tiens. Let's go, le petit midi. Deux possessions d'écart et une petite minute à jouer. Et Nurkic qui va taffer. Par contre, pourquoi... Ah, dommage. Pourquoi Damien Lillard n'est pas sur le terrain? Ça tremble. Il a les mains moites. Il est pour moi, le système. Oh, je suis seul. Oh, je suis seul. Oh, le 3 points assassin. Waouh. Alors, en vrai, moi, je suis pas l'assurance tout risque. Hein. Je pense que c'est mieux de la donner à LeBron pour les lancer francs. Est-ce qu'il va les mettre? Est-ce qu'il va nous mettre à l'abri le daron? Va falloir transformer le deuxième aussi. Et c'est fait. Et victoire, les amis. Une victoire dans ce match 1, 76 à 68. On pourra pas dire le contraire. On aura eu une vraie opposition. Ils ont un petit peu craqué dans le money time. Et là, les gars, la grande question. Est-ce que Damien Lillard est blessé? Ou est-ce que c'est juste du très mauvais coaching ?